Alors salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC. Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de la tombola, mais tout d'abord je vais vous montrer comment j'ai avancé sur le châssis Hobby King, et c'est le modèle, c'est le Sabertooth comme dirait Mani. Bon, alors ce que j'ai fait, le covering est, enfin le châssis était tout rayé en dessous, du coup j'ai fait un covering dessus. Bien sûr, hein, j'ai tout repris, tout ce qui dépassait des griffes et tout, tous les reliefs, je les ai repris. Je suis venu mettre mon covering dessus, j'ai fait toutes les petites découpes des vis au scalpel. Donc je vous montre. Train arrière terminé. Donc la tourelle, elle était complètement pliée. En gros, elle était comme ça. Du coup, je l'ai redressée au boulot. Et une fois redressée, je suis venu blanchir les faces à la fraise. Sur la fraiseuse, comme ça au moins. C'est nickel, c'est tout plat. J'ai redressé le cardan qui était plié. Et voilà. Bien sûr, on a tout démonté, on a tout remonté, tout nettoyé. L'huile de diff, neuf. Donc voilà, là j'en suis là. C'est tout propre, tout neuf. J'ai remis des vis aussi pour les cales de triangle. Enfin, pour caler les triangles en hauteur. Parce qu'il n'y en avait plus. Et en fait, du coup, le triangle il descendait trop bas. Et c'est ça qui a dû plier les cardans, parce que du coup, les noix et le cardan étaient vraiment en pression une fois que le triangle était tout en bas. Donc je suis venu corriger un petit peu en le remontant. Du coup, là, c'est nickel. Le cardan, il y a un tout petit peu de jeu. Voilà. Donc il me reste encore à faire les amortisseurs. Donc c'est le même, hein, les amortisseurs, je vais usiner des cales, parce que là, c'est les cales qui ont été faites en imprimante 3D et qui font 30 mm de long. Donc là, on va repasser à 15 mm et je ferai des petits inserts qu'on peut rajouter avec des différents réglages. Comme ça, la personne, elle pourra le régler vraiment comme elle le veut. Donc ça, c'est pour la suite. Donc ça, je ferai peut-être ça dans la semaine là au boulot. Et là, après, il nous reste encore le train avant à faire. Donc là, je vous dis, hein, il est tout coca prout prout. Donc, les règles du jeu, elles vont être simples. En gros, pendant une vidéo de montage, je ne sais pas encore laquelle, on verra bien. Hein. De toute façon, je mettrai le mail pour la tombola en dessous de chaque vidéo dans la description. Normalement, c'est Briseur 59. Ouais, c'est Briseur 59 RS tombola@gmail.com. De toute façon, je le donnerai à Mani pour qu'il mette dans la description de la vidéo. Parce que peut-être j'ai fait une erreur, mais normalement, c'est ça. Donc c'est BREEZER 59 RS Tombola TOMBOLA @gmail.com. Et petit malin, pas la peine de m'envoyer un mail à chaque fois que je poste une vidéo. Parce que sinon, bah, ça ne marchera pas. Vous avez le droit d'envoyer qu'une seule fois un mail. Donc les règles, c'est pendant une vidéo de montage, il y a un moment où je vais dire chat perché. Je sais pas pourquoi chat perché, hein. C'est chat perché. Et quand je dirai chat perché, les 20 premières personnes qui m'auront envoyé le mail, donc dans le mail, vous mettez Hobby King en titre. C'est tout, vous avez juste à mettre ça. Vous mettez Hobby King. Et dans le texte, vous pouvez mettre chat perché si vous voulez. Et les 20 premières personnes seront sélectionnées pour faire une tombola après en live. Donc voilà pour les règles du jeu. Donc j'espère que ça vous va. J'ai pas encore fait de jeu de vitesse comme ça, donc ça va être une première pour moi. J'ai pas encore fait ça, donc j'avais envie d'essayer. Donc sur le premier, on va essayer comme ça. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche. Ciao ciao, à la prochaine.